condamné à mort. Voilà 5 semaines que j'habite avec cette pensée. Toujours seule avec elle. Toujours glacée de sa présence. Toujours courbée sous son poids. Le président m'invite à me lever. Le greffier prend la parole et lit le verdict que les jurés ont prononcé en mon absence. Horreur et pitié de lois faites ainsi, un jour viendra. Et ces mémoires, derniers confidents d'une misérable, y contribueront. Que ce que je dis ici soit utile à d'autres. Que cela arrête le juge prêt à juger. Que cela sauve des malheureux innocents ou coupables de l'agonie à laquelle je suis condamnée. C'est moi qu'il faudrait sauver. L'ordre d'exécution est minuté, rédigé, mis honnête, expédié. Et le lendemain, dès l'aube, on entend à la place de l'hôtel de ville les premiers préparatifs. En tout 6 semaines. Or, voilà 5 semaines, au moins 6 peut-être, que je suis dans ce cabanon de Bicêtre. Jean-Martin, celui qui a flingué son père au moment où le vieillard ouvre une fenêtre. Castin, la femme qui empoisonnait volontairement son ami au lieu de le soigner. Parmi eux, ma pavoine, l'horrible fou qui tuait les enfants à coups de couteau sur la tête. Oh, si je m'évadais comme je courrais vite et loin. Non, il ne faudrait pas courir, cela fait regarder et soupçonner. Au contraire, marcher lentement, tête levée, en chantant. Je connais un forêt d'arbres à côté d'un marais près d'Arcueil. C'est là que je me cacherai jusqu'au soir. À la nuit tombée, je reprendrai ma course et j'irai à Vincennes. Ma fille, qu'on m'apporte ma fille. Elle est rose. Elle est là de grands yeux, elle est belle. On lui a mis une petite robe qui lui va bien. Je la prends dans mes bras. Je l'assieds sur mes genoux. Je l'embrasse sur ses cheveux. Elle me regarde de ses grands yeux étonnés, caressée, embrassée, dévorée de mes baisers. Elle se laisse faire, mais jette de temps en temps un petit regard inquiet sur sa grand-mère. Marie, ma petite Marie, je la serre violemment contre ma poitrine enflée de sanglots. Elle pousse un petit cri. Oh, madame, vous me faites mal. Madame, voici ce que j'éprouve à présent. Une violente douleur dans la tête, les reins froids, le front brûlant. À chaque fois que je me penche ou que je me lève, il y a un liquide qui flotte dans mon cerveau et qui le fait battre contre la paroi de mon crâne. J'ai des tressaillements convulsifs. Les yeux me brûlent. J'ai mal dans les coudes. Encore 2h45 et je serai guérie.